sont les vacances sur Nostalgie et sur NCI. Et quoi de mieux que de les passer en musique ou non, avec de la bonne musique. Bonsoir et bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. Je vois qu'on a un public en folie ce soir. Est-ce que vous êtes chaud, le public? Alors vous savez que chaque semaine, on a la chance de recevoir les meilleurs invités ici, sur cette même scène. Ils vont nous proposer des prestations live et ce soir, nous recevons une légende vivante de la musique ivoirienne. Alors si vous êtes prêts, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Alors je vous laisse languir encore deux petites minutes. Vous savez qu'on a le meilleur groupe ici. Eh oui, je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour le NFO Band. L'artiste qui va nous retrouver tout de suite a créé un style musical. Il s'agit du zoblazo qu'il décline à toutes les sauces. C'est vraiment le roi des pistes de danse africaine. C'est l'un des plus grands artistes africains pour qui on reconnaît le professionnalisme, la constance, le talent multidimensionnel hors du commun. Ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour Mewé! Madame Kakula Chikara, Mizier John to Dede Abosre. Madame Kakula Chikara, Mazoa Wadi Dede Abosre. Mami, hey, woman, radio. Mabai, hey, woman, radio. Cocotico, cocotico, cocotico. Epa! Cocotico, cocotico, cocotico. Epa! Madame Katula Chikara, Mazé Wawadi de De Abosra. Mami, hey, woman banyo. Mapai, hey, woman banyo. Cocotico, cocotico, cocotico. Epa! Cocotico, cocotico, cocotico. Epa! Siki! Yeah!
ramasse ma musique. Oh, hey. Arabamana. Amasi ma musique. Oh, hey. Aïe. Arabamana. Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour Mewé, s'il vous plaît. Bonsoir Mewé. Installe-toi. Merci beaucoup. Merci. Quelle énergie. Allez, je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois. Alors Mewé, bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. Merci. On est vraiment contents de te recevoir ce soir. C'est un bonheur. Alors Mewé, bon, on ne va pas donner ton âge comme ça, hein, non? Même si c'est un secret de Polichinelle, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, par respect, on ne va quand même pas donner ton âge. Mais après tant d'années de carrière, comment fais-tu pour rester aussi jeune, avec autant d'énergie, autant d'entrain, et puis soulever les foules comme tu continues à le faire aujourd'hui? Il faut rester actif, il faut continuer à travailler, c'est tout. Tant que c'est rodé régulièrement, on garde le cap. Mais c'est quand on arrête de travailler qu'on peut être rattrapé par la vieillesse. Je suis en activité, je continue. C'est ça le secret en réalité. Alors, pour produire une prestation comme celle que tu viens de nous proposer à l'instant, ça demande combien d'heures de travail par jour, par semaine, par mois? C'est combien de... Ça représente quoi dans ton quotidien? Là, c'est 2 jours de répétition. Parce qu'il faut, applaudir l'orchestre. Hein. C'est normal ça, c'est normal? Non, ce sont les chaînes. Ah, c'est quoi? Ah, c'est bu! Ok! J'avais peur qu'on soit en train de les huer. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous savez, cet orchestre n'est pas le mien. Ouais. Vous savez que je travaille avec Zogang. Et justement, c'est des musiciens qui ne font pas partie de mon orchestre et qui ont sérieusement travaillé pour donner ces résultats. Donc, il faut les applaudir encore une fois. Alors, Mewé, dans Nostalgie Fun Outdoor, eh bien, c'est vrai qu'on redécouvre nos artistes préférés, on redécouvre les icônes de la musique, comme toi. Je voudrais qu'on parle de cette chanson, que tu viens de nous interpréter. Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière? Ce titre est sacré pour moi parce qu'il a permis aux autres d'exister. C'est mon premier tube. Ouais. C'est le premier album que je sors. Je sortais de Podium. J'ai gagné Podium en 81, pas avec ce titre, avec Maggie. Ouais. Qui est sur le même album. Alors là, on est en quelle année, là, comme ça? 81. Ouais. Je gagne Podium. Et je pars 4 ans après, en France, en 85. Et en 89, on sort cet album-là, à Ibebou. Premier coup d'essai,
premier coup de maître. J'arrive, je suis tout de suite numéro un en Côte d'Ivoire, meilleur artiste de Côte d'Ivoire, meilleur chanteur. Et ben, ça veut tout dire. Donc pour moi, ce titre, il est sacré, ça a permis aux autres de revenir après. Et c'est justement pour ça que j'écris « On a gagné ». Blazo, zo, blazo. Ça vous dit quelque chose, j'avais gagné le public? Ah bah oui. Et ouais. Donc, je fête ma victoire sur le deuxième titre grâce au succès du premier. Rien à voir avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants sont arrivés un an après. Ouais. La victoire des éléphants au Sénégal. Donc, je fais à Ibebou, après 200% en 91. Et c'est en 92 qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Donc, concours de circonstances, boum, ça part. D'accord. Alors, Mewé, quand on dit Mewé, hein, on pense à la musique, bien évidemment, on pense également à la danse, on a pu le voir à l'instant, mais on pense aussi eh bien, au style vestimentaire, hein, parce que c'est vrai que Mewé est toujours bien apprêté, Mewé est toujours bien fait, bien mis, hein, pour notre plus grand bonheur. Nous, les dames, on ne dira pas le contraire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est savamment étudié, travaillé, parce que... Moi, je n'ai pas le souvenir de t'avoir vu comme ça venir sur scène mal habillée ou mal apprêtée. Donc, comment tu travailles ça? Est-ce que tu es un styliste? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est très important. On est dans le monde du spectacle. Et le spectacle, pour un chanteur, ce n'est pas seulement le chant. C'est aussi la musique. C'est aussi le management. Mais c'est surtout la scène. Parce que tous ces gens qui sont là, là on est sur un plateau télé, c'est différent. Mais quand j'aurai un concert au Palais de la Culture, ils vont payer des droits d'entrée. Ils vont payer 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs. Souvent on va jusqu'à 50 000, 100 000. Alors ce gars-là, tu ne vas pas porter le même habit que lui pour monter sur scène. Il faut venir dans un accoutrement différent qui lui apporte ce qu'il n'a pas l'habitude de voir chez lui. Sinon il ne paye pas. S'il voit ce qu'il a l'habitude de voir chez lui, il reste chez lui. Alors, quand il vient, il faut lui procurer vraiment de l'artifice. Et c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Regardez comment j'ai chaud. Est-ce que ça vous plaît? Ben oui. Mais rassurez-vous, je ne peux pas porter ça pour aller faire les courses au marché, quoi. Les gens se disent, mais attends, c'est qui ça là? Non, mais ça, c'est la scène. Et c'est pour justifier les entrées que vous payez, qu'on s'habille comme ça, pour vous vendre de la sensation au total, quoi, avec tout le spectacle. Respecter le public, d'accord. Voilà. Eh bien, ça s'applaudit très, très fort. Alors, mais oui, on a quelques petites surprises pour toi dans cette émission, puisque tu ne seras pas seul à prester sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. Non, il y a des artistes qui ont un rapport de près ou de loin avec toi. Tu vas comprendre hein, dans quelques instants. Mais avant de recevoir notre premier artiste invité, eh bien, je vous propose d'écouter le NFO Band, parce que vraiment, ils sont forts et on ne va pas bouder notre plaisir. On va les écouter un tout petit peu. Ce soir de Nostalgie Fun Outdoor, eh bien, j'espère que vous passez un bon moment, vous qui êtes à la maison, vous qui nous écoutez hein, sur Nostalgie, et vous qui êtes dans le public également. Ouais, pur, pur. Alors, mais oui, tu fais partie de ces artistes hein, dont le répertoire est, je dirais, un des plus repris dans les cabarets. Et justement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une nouvelle vague de chanteurs hein, qui est là depuis quand même quelques années. Les chanteurs de cabaret qui excellent vraiment dans les reprises et les interprétations et qui décident de se lancer dans une carrière solo. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de ces artistes? Est-ce que tu penses que passer par les cabarets, eh ben, finalement, c'est la meilleure école pour affronter le public, affronter les différentes scènes?
Pour moi, c'est l'une des meilleures écoles. Il y a l'école de l'église aussi, il y a l'école, pourquoi pas, de la mosquée. On peut chanter aussi à la mosquée, on peut commencer là-bas, on peut commencer aussi dans les églises. Mais le passage dans les cabarets est un passage qui n'est pas forcément un passage obligé, mais un passage nécessaire, parce que ça te permet de faire de la variété. C'est-à-dire, quand les gens arrivent dans les cabarets, c'est pour écouter toutes sortes de musiques, donc vous pouvez rentrer dans plusieurs registres, chanter de l'afro-cubain, de la salsa, comme on appelle maintenant. On peut chanter du soukous, on peut chanter du makossa, on peut chanter du reggae, on peut chanter du R&B, on peut chanter du coupé décalé. Et une fois qu'on a fait l'addition de tous ces registres, on s'enrichit. Et à partir de ce moment, on peut aisément rentrer dans un studio pour s'exprimer. Eh bien justement, l'artiste qu'on va accueillir tout de suite sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, eh bien, on peut dire que la musique lui colle à la peau. Amoureuse de l'amour, eh bien oui, elle en a fait un leitmotiv dans ses différentes chansons. Eh bien, merci d'ovationner, comme elle le mérite, l'artiste Marie-Jo. Moi, à chaque fin de journée, pourquoi me presser à rentrer à la maison? Personne ne m'attend, oh yeah. Personne pour me dire bon arrivée, yeah. Être accompli, c'est bien. Batailler pour gagner sa vie, c'est bien. Mais avoir quelqu'un pour partager toutes ses peines et ses joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi là j'ai besoin d'amour. Hey, j'ai besoin d'amour. Moi aussi là j'ai besoin d'amour. Hey, j'ai besoin d'amour. Yeah. Moi, fatigué d'être seul. Que malade et invalide, abandonné par famille et amis, oh yeah. Personne pour me prendre dans ses bras, yeah. Après combien d'années, aujourd'hui tu trouves que je suis fanée. Pourtant ce sont tes enfants que j'ai parlé, oh yeah. Je ne veux même plus me toucher. Mais moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Mais moi aussi là j'ai besoin d'amour. Bien évidemment, voilà. Ah ben oui, elle fait partie de cette nouvelle génération d'artistes, Marie-Jo. C'est une voix, enfin c'est bien plus qu'une voix d'ailleurs, c'est tout un univers musical. Bonsoir Marie-Jo, comment vas-tu? Bonsoir Thierry. Bonsoir papa. Bonsoir ma chérie.
Ah non, 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 mais franchement, je... Alors, impression à chaud, comme scotché, ça. Quoi. Scotché, ben, on a de plus en plus de très belles voix en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une chanceuse. C'est une vraie chanteuse. Merci. Alors, Marie-Jo, tu viens nous interpréter ton tout dernier single. Exactement. Qui s'appelle « J'ai besoin d'amour ». J'ai besoin d'amour. Qui est sorti il y a quelques jours, hein, on va le dire. Parle-nous un petit peu de cette chanson. Parce que c'est vrai qu'on t'a connu avec d'autres titres, un petit peu plus dansant. Et là, tu reviens avec une chanson assez langoureuse, finalement, avec un message assez fort. Yes. J'ai besoin d'amour. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, Marie-Jo? Tout va bien, grâce à Dieu. En fait, sur mes réseaux sociaux, beaucoup de personnes m'ont écrit, Marie-Jo, tu chantes de l'amour, mais nous, on est seuls. Et récemment, il y a une dame qui m'a écrit, je suis mariée sans être mariée, parce que je manque d'amour dans mon foyer. Pendant que d'autres se plaignent qu'ils veulent avoir quelqu'un, elle se plaint qu'elle a quelqu'un, mais elle manque d'amour. Donc j'ai essayé de regrouper toutes ces histoires-là que j'ai reçues et puis pour proposer cette chanson afin que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Alors Marie-Jo, toi tu as commencé ta carrière dans les cabarets hein, également. J'imagine que tu as eu à interpréter les chansons de Méoué. Bien évidemment. Ah ben oui. Ah oui. Alors, quelle a été l'influence de Méoué sur ta carrière? Alors, pour petit rappel, j'ai participé à Podium. Et, un point commun, déjà. Oui. Mm-hmm. Oui. Et l'année où je participais à Podium, la chanson imposée, c'était Deaf Society. OK. Donc, tu nous en fais un petit bout, là, comme ça? Bah oui. Tu as l'accord, là? Deaf Society. Les paroles, hein? C'est pas grave. Aïe. On y va ensemble. Okay. Hein? Donnez l'air. Les. Ah oui, c'est plus haut. Hein? Yeah. C'est plus haut. Qu'est-ce que tu veux chanter ouais. Là-dessus? Aïe! Aïe! Vous avez vu, c'est la rencontre de deux artistes, deux univers musicaux, c'est beaucoup d'émotions pour moi. Tu ne réalises vraiment pas ce qui se passe là dans mon cœur, dans ma tête. J'ai juste envie de crier là. Quoi. Alors Marie-Jo, bon, on va te faire redescendre de ton petit nuage. Malheureusement, on aimerait te laisser en l'air comme ça, mais bon, non, non, non. Alors, ton cinquième single, hein, donc J'ai besoin d'amour, on a eu Touché, on a eu La colle de l'amour, Laisse parler, Tu es dans pain. Bon, à quand l'album, Marie-Jo? L'album est déjà prêt. Mais pour une question de promotion, on a décidé de présenter d'abord des singles afin de bien se faire connaître. Et maintenant, on ne peut proposer des chansons sans visuel. Papa me le disait tout à l'heure, là, dans les loges. Et c'est ce qu'on a décidé, en fait, de faire. Proposer des singles avec des visuels pour pouvoir faire découvrir Marie-Jo. Voilà. Sinon, l'album est déjà prêt, mais on espère pouvoir faire sa sortie d'ici fin d'année 2023. Alors, tenez-vous prêts, hein. J'espère que vous allez consommer, hein, la musique de Marie-Jo. Ben oui, parce qu'elle le mérite amplement, énormément de merci. Talent, hein, dans ce petit bout de femme. Et on est vraiment content de t'avoir eu sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. C'est moi qui vous remercie parce que Papa Méoué, c'est une légende. Merci. Et c'est pas permis à tout le monde d'être là comme ça. J'en trouve encore. Arrête, tu vas nous le faire.
faire pleurer. Ouais, oh. C'est vraiment beaucoup d'émotions. C'est avec grande joie que je suis là, en face de lui, et que je lui dis merci pour tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il continue de donner à nous, les jeunes chanteurs de cette génération. Et je suis sûre que les générations qui viendront derrière nous... Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va te laisser repartir et tu seras accompagné par le NFO Band. Merci. Et on est toujours dans Nostalgie Fun Outdoor. Ben oui, j'espère que vous passez un super moment en notre compagnie. On a encore pas mal de surprises hein, pour vous, chers téléspectateurs, pour vous, chers auditeurs, et pour vous, le public. Pour toi aussi, Méwé. Hein. Ah, ben. OK. Ah, ben. Avec plaisir. Alors, Méwé, on va abuser de toi ce soir. Combi Poya. Bon. Je ne sais même pas quoi répondre à cela, mais bon. On va abuser de toi, on va abuser de ton talent, on va abuser de ta voix et de tes pas de danse. Eh bien, mesdames et messieurs, ovation nourrie pour Méwé, oui, qui va nous interpréter son fameux Yiwa. Yiwa. Corico bejazo, apreni ibo viejo. Acule ibo viejo, cocorico, apreni ibo viejo. Le bonoro, que via copla tu vine, que via dame wey. Que via copla tu vine, que via dame wey. You are! Abrele. Cocorico, a grenivo viejo. A grenivo viejo, cocorico, a grenivo viejo. Olé, 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 olé
Reste où tu es, reste où tu es. Reste où tu es, mais ouais. Reste où tu es, voilà. Non, mesdames et messieurs, faites encore plus de bruit pour Mewé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mewé, oui. Qu'est-ce que ça te fait de voir le public comme ça, qui est debout, qui est en train de danser, qui chante avec toi après toutes ces années? C'est un aboutissement, c'est un bonheur, parce que quand on fait ce genre de musique, de la musique de danse, c'est forcément pour amener le public à danser. Avoir tout le monde debout, danser, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous allons passer à une séquence un petit peu spéciale de cette émission. Eh bien, c'est l'heure de l'instant fun. Et dans l'instant fun, eh bien, nous allons découvrir quelque chose d'un petit peu insolite concernant nos invités. Alors, c'est vrai qu'en fouillant dans ta biographie, les différentes biographies qu'on a pu trouver un petit peu partout, eh bien, j'ai appris, mais oui, que tu jouais d'un instrument. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Je me trompe ou pas? Oh non, pour être chanteur, c'est vrai que le premier instrument, c'est les cordes vocales déjà. Oui. Mais c'est toujours bien de se faire accompagner par un instrument cordophonique, pourquoi pas, rythmique, et puis pourquoi pas les claviers. Mais moi, c'est plutôt la basse. J'ai beaucoup travaillé la basse, oui. Alors, mesdames et messieurs, Mewé joue de la basse. Je pense que ça peut s'applaudir très, très fort, parce que je suis sûre que vous ne le saviez pas. Eh ouais. Alors, Mewé, ben oui. Maintenant qu'on sait ça, forcément, hein, on va te demander de nous jouer quelque chose. Ah non, non. Ah ben si. Est-ce que vous voulez que Mewé vous joue un petit oh peu? Oh non, non. Ça fait un moment que je ne joue pas. S'il vous plaît. Mais oui. Tu m'as eu, là. C'est comme, non, ça comme fait... le vélo. Ah, je comprends, vous avez mis là. Ben voilà. Évidemment, c'est magique. Quelle histoire. Voilà. Quelle histoire. Est-ce qu'on peut prêter une basse à Mewé, s'il vous plaît? Voilà. Oula, ça fait un moment que je ne joue micro. Pas. Voilà. Ah ben voilà, hein, vous savez, dans Nostalgie Fun Outdoor, eh bien, il va se passer comme ça des instants un petit peu magiques, des instants un petit peu insolites avec les invités. Hop. Alors, je sais pas, l'orchestre peut jouer quoi? Attends, est-ce que vous avez une idée de Godéba? Vous avez une idée? Godéba, attendez. Je vais pas chanter, je vais pas faire les deux en même temps. Ah ben oui, c'est une séquence qui est totalement improvisée, hein, mesdames et messieurs. Voilà, rien n'était prévu. Eh bien, c'est un petit peu ça également, hein, l'esprit de Nostalgie Fun Outdoor. Le retour de la basse. Ouais, donnez-nous un petit peu plus de retour au niveau de la basse, s'il vous plaît. Voilà, on improvise, on s'amuse, on découvre également énormément de choses, hein, sur nos artistes préférés. Eh bien, Mewé va nous faire un petit bout de Godéba. Même quatre bouteilles de côté, je ne suis pas saoulé. On peut l'applaudir très très fort. Mmh.
Mais c'est super, mais ouais. Mais pourquoi tu n'exploites j'ai pas tout oublié, j'ai tout oublié. Je composais. Avant, je jouais. Ouais. La basse de Godeba, c'est moi qui l'ai jouée en studio. Mais ça fait combien d'années, bon Dieu ? Je ne joue plus. Je me suis concentré sur le chant à un moment donné. Mais actuellement, j'utilise la basse juste pour composer. Mais en studio, je fais jouer d'autres personnes. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Parce que vous m'avez eu là. Mais alors, il y a quel autre morceau là ? J'ai envie de chanter en jouant en même temps, par contre. Pour toi, vas-y, je travaille pour toi, il n'y a pas de soucis. Alors, la dièse, fa, do, la dièse. Voilà. Do majeur. Slow. Esi kanyetia engloma emangumoko esi kanyetia Esi kanyetia engloma enimamo esi kanyetia Esi kanyetia engloma ebabamo esi kanyetia Esi kanyetia engloma emamamo esi kanyetia Uye be maye roye wo wa be maye roye wo Uye be maye roye wo wa be maye roye Tu merci m'as beaucoup. Eu, Tia. Non, mais. Ah non, tu m'as pas, eu. C'était un piège, votre truc, là. Non, t'inquiète pas. Mais on est super contents d'avoir découvert ça. Je suis ridicule à la basse actuellement. Mais non, mais pas du tout. Et je suis sûre que les téléspectateurs, je suis sûre que les auditeurs, eh bien, sont très heureux hein, d'avoir appris quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'on sait tout de toi, mais oui. Mm. Et finalement, non. Aujourd'hui, vous savez, vous pourrez rentrer chez vous en vous disant ah, mais oui, il sait jouer de la basse et il joue super bien. Je joue aussi à la batterie. À allez. La batterie aussi. Je suis ridicule. Messieurs. Non, bien, suis-moi, voilà. Mesdames merci. Et messieurs, faites du bruit pour Mewé, s'il merci vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très flatteur, ça. Merci. Ouh, j'ai eu chaud. Mais dis donc. Non. Mais tu sais tout faire, Mewé, finalement. Non. Tu sais tout faire. Je bricole. Ouais, mais ça me permet, c'est des notions qui me permettent juste d'asseoir mes compositions. C'est-à-dire quand on a une notion de tous ces instruments, on peut facilement composer une chanson. Mais quand on n'a aucune notion de tout ça,
ben on est perdu. Quoi. On se limite qu'au chant et forcément, on est à la merci des musiciens après. Voilà. Allez, mais oui. Ben, merci beaucoup pour ce beau cadeau, en tout cas, que tu nous as fait. Nous, en retour, on va t'en faire un autre avec notre deuxième invité de la soirée. Oui, c'est un jeune homme au timbre vocal frais et à la finesse rythmique, invitant très souvent à la romance et déterminé à marquer sa génération. Mesdames et messieurs, sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, Rémi Hedan. Merci beaucoup, c'est un Mr. Rémi Hedan. Dernier single de Rémi Hedan, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors Rémi, bon, le temps que tu reprennes tes esprits, hein, voilà, hein, reprends un petit peu ton souffle. Je me tourne vers Mewé. Mewé, alors tu connais bien évidemment. Ah hein, oui, Rémi. C'est mon fiston. Ben oui, un mot sur lui. Qu'est-ce que tu penses de l'artiste qu'il est? Ben, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir à l'état pur. Je pense que c'est des personnes sur lesquelles il faudra compter dans quelques années. Ah oui, c'est sûr, c'est une voix, c'est une bête de scène en plus. Et c'est un super acteur, parce que la première fois que je le vois, c'était dans les coulisses d'un tournage de film. Exactement. Tu te souviens? Exactement, MTV Sugar Baby. MTV Sugar Baby. C'est ça, exactement. Il a tourné, c'est l'acteur principal qui est là. Merci ah oui, beaucoup. C'est merci un beaucoup. Grand acteur merci, et pour merci. Moi... Oh, je suis touché. Je pense que je peux partir, ça va. En tout cas, c'est un bonheur de te retrouver, merci, en tout cas, alors, bravo. Rémi Hedan, tu as commencé il n'y a pas super, super longtemps, hein, si on compare ta carrière avec celle de Mewé. Ah. Aujourd'hui, tu te retrouves sur un plateau télé avec lui, face à lui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là? Ben, déjà, je pense que c'est mon premier plateau officiel que j'ai avec Papa Mewé, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Il faut savoir que, je n'ai pas besoin de le dire, c'est une légende pour la musique africaine, mais c'est un cadeau en fait, que surtout que la musique nous a donné à nous autres qui sommes jeunes artistes. Et c'est plus qu'un plaisir de me retrouver, tout un plaisir à chaque fois quand je le vois, d'écouter ses conseils, d'écouter à chaque fois, petit soir comme ça, reste comme ci, reste comme ci. Donc pour ce premier plateau et d'être avec lui, je suis juste content. C'est comme un rêve d'enfant, quoi, tu vois. Alors, j'imagine merci. Que ces conseils seront d'autant plus précieux. Très, très. Car depuis très. Ce tout dernier single, hein, la dernière fois, une dernière fois, tu es en autoproduction. Exactement. Voilà, donc je sais qu'avant avant l'émission, vous étiez en train de beaucoup parler, tous les deux, tu prenais les conseils. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles tu te retrouves confronté en tant que producteur? En tant que producteur, toute chose n'étant pas facile. Toute chose n'étant pas facile, la production, il y a plusieurs aspects. C'est vrai que sur le volet artistique, il y a pas grande chose à dire parce que je suis auteur, compositeur, interprète, musicien. Donc j'arrive plus ou moins à diriger ma direction artistique comme je la sens en fait. Après, ce qu'on pourrait dire, c'est par rapport à chaque projet, il faut définir des stratégies. Donc le volet management et marketing qui est très important, surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes. Après le financement, le wari, ça c'est le plus important. Quand il y a l'argent, c'est voilà. Donc ce sont ces quelques aspects qui sont qui peuvent être, on va mentionner comme difficultés. Mais quand tu sais où tu veux partir, quand tu sais ce que tu veux, ben tu finis toujours par avoir ce que tu veux avoir. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous. On a passé un super moment avec toi. Merci. Et puis ben on rappelle, hein, tout dernier single. Donc, une dernière fois. Une dernière fois, disponible partout. Donc allez télécharger, visionner le clip, consommer la musique de Rémi Hedan, parce qu'il le mérite. Ah oui, c'est un superbe artiste. Merci. Vous ne le connaissiez merci, pas, merci, et bien, on merci, est ravis merci, de vous l'avoir merci, fait découvrir merci. Ce soir. Et si vous l'aimez, eh bien allez le soutenir. Merci. Merci Rémi. Merci beaucoup. On fait du bruit pour le professeur. Alors, mais ouais, il nous reste plus beaucoup de temps. Bah oui, hein, l'émission touche déjà quasiment à sa fin. Mais je t'ai dit qu'on allait abuser de toi. Ah bah oui. Hein, Bipoya. Vous avez envie qu'on abuse un petit peu de... Alors, on a envie que tu nous interprètes ton tout dernier titre. Alors, le tout dernier titre, ça va être un pot-pourri. Ce qu'on appelle un pot-pourri, c'est un medley de plusieurs chansons
populaire que je vais vous proposer maintenant. Il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans certaines chansons. Vous allez voir tout à l'heure. Eh bien, tout de suite, mais ouais, sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien, écoutez, appréciez, dégustez et amusez-vous. Ben oui, levez-vous, dansez, poussez tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, parce que ça va déménager tout de suite. On y va. Enlève les mouchoirs, tout le monde. Agole affaire, yes, agole, oh, agole affaire. Massa moya ne vende, frek, oh, agole affaire. Agole affaire, yes, agole, oh, agole affaire. Massa moya ne vende, frek, oh, agole affaire. Yes, longue mi ewe, yes, longue mi ewe. Mi kwa zule gedwa, mi di mi aria gedwa, mi kwa ye ni gedwa. Yes, longue mi ewe. Yeah, oh la la, tu sais où la lendio, yeah.
gros diazo. Et Dieu nous les diazo. Allez, tout le monde enlève les mouchoirs. Premier ministre de l'Ambiance. Bassa moyen défendé. Avec d'autres invités d'ici là. Excellente semaine à tous! Merci!